La forêt est dense et touffue. Je vais garder ça pour la route.
garde ça pour la route. Et faite pour combattre. Thank you.
ai besoin. Je devrais changer d'arme. C'est presque prêt.
des informations qui m'aideront à pirater plus de machines. Je peux pas les pirater, mais les creux... Les éviter pour l'instant.
Elle est bien fraîche. Doucement. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Un court. De l'aide pour Belvédère. Les étincelles attaquent. Mon frère va mourir. Tout le monde. Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. C'est ça, y a rien à voir ici.
Reste tranquille. Ça se gardera. Laisse-moi une seconde.
Des veilleurs. Comment ça se fait qu'il y en ait jusqu'ici? C'est pas vrai.
La neige est glacée par ici. Les machines défendent quelque chose. J'aimerais bien savoir quoi. J'ai tout ce qu'il faut pour... Thank you.
J'en aurais sûrement besoin. Je la préparerai plus tard.
qu'une machine pareille serait montée jusqu'ici. Pour empêcher les curieux comme moi de découvrir quelque chose, j'imagine. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Des réserves. Je dérape un peu.
La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires.
jeter un coup d'œil. Alors te voilà de retour. As-tu... Reviens me voir. Excuse-moi, étrangère. Je suis à la recherche d'artefacts banaux. Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui ? Un coup d'œil. Je cherche des aventuriers. De préférence sans amis ni famille. À vous de voir. Vous êtes de retour au temple ? En effet, on m'y a invité. Les prêtres ont demandé à m'entendre au sujet de la réconciliation avec les autres tribus. Ils écoutent. Enfin, ils commencent à écouter. La distance est longue entre les oreilles et les actes. Grâce à ce qu'on a fait ? Grâce à toi. C'était pour les pèlerins. Je crois qu'ils vont mieux. C'est toi qui les as guidés sur la voie. Nul ne sait ce qu'il adviendra. C'est là le lot des prêtres. La tunique rouge t'irait bien. J'en doute. Et puis, votre temple n'accepte pas les femmes. Elle nous enrichirait pourtant. Avance dans la lumière. Laisse le soleil éclairer ton chemin. Merci, Naman. Là où je vais, j'aurai besoin de toute la lumière possible. Encore toi ? Je n'oublie jamais un visage à qui j'ai donné des éclats. J'arrive pas à comprendre comment il fait ça. Talana, quel plaisir de te voir. Et tu as amené la sauvage ? Bonjour, Faucon. Je souhaite parrainer Aloy Lanora pour son entrée au pavillon des chasseurs. Jamais. Regarde-la. Une fille primitive, une rustre. C'est inacceptable, même de ta part, Talana. Elle remplit parfaitement les conditions. Et le roi soleil, Avad, veut que le pavillon soit ouvert à tous. Elle a sauvé sa vie. Mais je ne doute pas qu'il accordera plus de crédit à tes a priori. Tu veux en discuter avec lui ? La parole du roi soleil fait toujours loi. Même lorsqu'elle risque de provoquer la chute du pavillon. Bon. Jures-tu, à l'œil de la tribu Nora, d'agir selon les règles et la morale du pavillon aujourd'hui et pour le reste de ta vie ? Je le jure. Membre du pavillon, bien que Tarkas soit à peine enterré, je vous présente à l'œil de la tribu Nora. Membre et grive, qu'avez-vous à dire ? À la chasse ! Parrainer une étrangère. Je vous laisse célébrer cette aberration. Je pars à la recherche de Rougemort. Il paraît que le roi soleil te doit la vie. On ne l'oubliera pas. Oui. C'est une bonne journée. C'est qui, Rougemort ? Peu l'ont déjà vu. Un gueule d'orage marqué par des années de bataille. Il paraît qu'il a sur les flancs des cicatrices laissées par les attaques de nos chasseurs. Il en a tué tellement depuis qu'on le traque, on ne les compte plus. Quand l'un des nôtres part chasser et ne revient pas, on dit que c'est à cause de lui. Mais pour moi, ce n'est pas qu'une légende. Le tuer serait le seul trophée capable de détrôner Aziz. Mon parrain a failli l'avoir, mais... il s'est fait tuer. Je suis désolée. Tarkas m'a parrainé par loyauté envers ma famille. C'était mon dernier lien avec elle. Il ne me reste que le pavillon. Je dois détrôner Aziz. J'ai mes raisons de détester Aziz. Et toi ? Il y a toujours eu des membres de ma famille au pavillon. Mon père et mon frère étaient faucons. Aziz ne mentionne jamais leur sacrifice. Quel sacrifice ? Ils sont morts pendant le massacre. Et ils devraient être honorés. Mais Aziz interdit à quiconque de parler d'eux. Comment ta famille est entrée dans les rangs du pavillon ? Les nobles Karja envoient leurs fils au pavillon depuis des générations. Une façon de plus pour eux de se placer au-dessus du petit peuple. Je veux que ça change. Que ce ne soit plus la naissance qui détermine qui est respectable ou non. Tout le monde croit savoir qui je suis parce que je m'appelle Talana Khan Padish. C'est insupportable. Je comprends.
J'ai été toute ma vie une paria aux yeux des Nora. Ils auraient tous nié que j'étais une des leurs. Mais quand je sors des terres sacrées, tout le monde m'appelle Aloy la Nora. Je préférerais Aloy la non-Nora. Je savais pas. Je m'en rappellerai. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le massacre ? La paranoïa du roi Jiran était intense. Il a envoyé mourir des milliers d'innocents dans la fosse. Certains faucons du pavillon lui ont demandé d'arrêter ces massacres. Mais ils ont subi le même sort. Quand les machines ont attaqué les condamnés, d'autres faucons sont descendus dans la fosse pour les aider. Mon père et mon frère, notamment. C'est affreux. Qu'est-ce qui est arrivé aux hommes dans la fosse ? Ils sont morts au combat. Si tu veux en savoir plus, Ligan peut t'expliquer. Lui était sur place, moi pas. Le matin du massacre, mon père m'a demandé de le retrouver en dehors de la ville. Il devait libérer les prisonniers. J'ai attendu des heures jusqu'à ce qu'on m'apporte un message de mon père. Je devais quitter la ville. C'est ainsi que j'ai fui au lieu de combattre avec lui. Il ne voulait pas que tu meures avec eux. Il n'aurait pas voulu non plus qu'on les oublie. Surtout pas à cause de l'homme à qui leur mort a le plus profité, Aziz. Maintenant que t'es grive, il est temps que tu te fasses une réputation. Et si tu abattais un gueule d'orage et un oiseau tempête ? Tu veux que je rapporte des trophées ? Tu es une grive de choix, la mienne. Et je veux que tu me fasses honneur. Et Rouge Mort, alors ? Je le trouverai. Et ce jour-là, je veux que tu sois à mes côtés. Est-ce que tu as un problème ? Rapporte les trophées d'un gueule d'orage et d'un oiseau tempête. La pompeuse de machine en a empêché. Tout le monde a besoin de couleurs dans sa vie. Allez, viens, parlons un peu. Aurais-tu un moment pour parler de belles choses ? Viens jeter un coup d'œil à ces marchandises. Regarde ces entendus. Mais on reste ici, plus je sens que je m'y habite.
Sûrement l'influence des océans au palais. Quelle idée. Le jour se lève. Hier est déjà loin. Je ne me verrai pas vivre ailleurs. Je vais mettre ça de côté.
Je mangerai ça plus tard. Déjà plein. C'est bon. Thank you.
très cher.